sur la page Facebook du Village des Recruteurs en direct. Nous donnons la parole aux acteurs du Village des Recruteurs. Pour la première fois, nous sommes ici à Aix, vous le savez, et nous sommes avec Cécile Bayot. Bonjour. Bonjour. Vous représentez eh bien le CESI. Vous êtes responsable des formations RH à CESI, donc. Oui. Expliquez-nous un petit peu, donc, représentez-nous un petit peu le CESI. Alors, le CESI, c'est un réseau de campus d'enseignement supérieur et de formation professionnelle. C'est des formations qui sont à destiner soit des salariés d'entreprise, soit des personnes qui sont en reconversion professionnelle, soit des étudiants qui souhaitent suivre chez nous un parcours de formation dans une alternance. Alors, quels sont vos domaines d'activité ? Alors, on a plusieurs domaines d'activité. Donc, on a des formations en ressources humaines, des formations en organisation et performance industrielle, des formations en QSE, qualité, sécurité, environnement, des formations en management et des formations en organisation, performance industrielle, ainsi que des formations en informatique. Alors Cécile, est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer, finalement la formation, c'est devenu presque incontournable maintenant, c'est le point de départ pour avoir un emploi, c'est ça? Expliquez-nous. Oui, c'est ça. En fait, toutes les formations que l'on propose à CESI sont des formations qui se font en alternance. Et pour nous, c'est vraiment le gage d'une employabilité derrière, après uniquement cette formation. Uniquement en alternance. Exactement, voilà. Alors après, ces formations, elles peuvent se financer de différentes manières. Donc c'est pour ça qu'elles peuvent se faire aussi pour les salariés d'entreprise qui souhaitent évoluer dans leur métier ou éventuellement se reconvertir. Mais ces formations du coup en alternance, elles permettent surtout d'être au plus près des attentes des entreprises et se dire que ben on forme des candidats donc à un titre qui est reconnu au niveau de l'État, avec des vrais besoins d'entreprise et des vraies attentes d'entreprise sur des formations sur lesquelles ben, on fait évoluer en fait, notre cursus de formation chaque année par rapport aux besoins de ces entreprises-là. Pour nous, c'est vraiment le gage d'une employabilité derrière. Alors justement, vous êtes ici pour la première fois, comme nous d'ailleurs, hein, oui. À Aix-en-Provence, au Village des Recruteurs. Pour rappel, le CESI, c'est 300 candidats pour Aix-en-Provence, pour le Exactement. Campus d'Aix-en-Provence, oui. 700 candidats pour la région et près de 8000 en France. Oui. Alors pourquoi vous êtes ici aujourd'hui au Village des Recruteurs? Eh bien, c'est très important. Là, aujourd'hui, vous avez donc une manifestation qui a été organisée qui s'intitule le Village des Recruteurs. Il fallait qu'on soit présent, c'est indispensable. On fait partie des acteurs, je pense, majeurs de la formation en France. Alors justement, par rapport à cette formation, à qui s'adresse-t-elle? Alors vous avez parlé tout à l'heure des étudiants, oui. Des gens en conversion. Oui. On mêle tout ça, tous ensemble, expliquez-nous un petit peu. Exactement, en fait on a plusieurs marques à CESI, on a donc l'école des managers qui est vraiment à destination des salariés d'entreprise, où j'en ai un petit peu parlé au début. Ensuite on a l'école de l'alternance, qui du coup présente toutes les formations en alternance plutôt soit pour des personnes en reconversion professionnelle, soit plutôt des étudiants qui ont envie de poursuivre une formation chez nous ou en tout cas se former chez nous. Et vous avez une troisième marque qui est CESI École d'ingénieurs, ouais. Qui a un cursus d'école d'ingénieurs, un post-bac jusqu'à bac plus 5. Alors voilà. Justement, vous l'avez dit, ça s'adresse à tout public, hein, oui. Vous venez de le dire. Oui. Qu'est-ce que ça permet la formation? Une expérience forcément? Un premier pied dans le métier qu'on souhaite réaliser, c'est ça? C'est ça. C'est-à-dire que, ben, je le disais un petit peu aussi au début, la formation en alternance, c'est vraiment une plus-value, d'accord, oui. Pour les candidats. C'est-à-dire qu'à la fin de la formation, bah oui, ils ont un titre, on l'espère, mais ils ont surtout une année ou deux années d'expérience en fonction du cursus qu'ils ont choisi sur le métier sur lequel ils vont avoir un diplôme, donc forcément derrière une employabilité oui. Extrêmement importante. Alors concernant les délais, quand on commence les formations, est-ce qu'on est dans la bonne période? Est-ce qu'il faut attendre septembre pour ceux qui nous regardent justement? Non, pas du tout. À partir du moment où la personne a un projet professionnel qui est vraiment défini, ça c'est extrêmement important pour nous. On ne va pas D'accord. absolument mettre un candidat dans une formation si le projet professionnel n'est pas défini. On met vraiment un point d'honneur à vraiment bien cerner le projet professionnel avec D'accord. le candidat. Pour Donc ça passe par des voir. Échanges en fait. Exactement, ça passe ouais. par des échanges, premièrement téléphoniques, ensuite sur dossier. Et ensuite, bah forcément, il y a en général des échanges avec ce qu'on appelle les pilotes de formation et les responsables de formation. Pour savoir et vraiment s'intéresser particulièrement au projet professionnel, au-delà des prérequis, d'accord, pour pouvoir rentrer en formation, ouais. c'est qu'est-ce que vous souhaitez faire, ok? Est-ce que ce que vous souhaitez faire correspond à la formation que vous avez identifiée? Si ce n'est pas le cas, on va réorienter le candidat sur autre chose. Voilà, vous l'avez compris, ici à Aix-en-Provence, le CESI est là pour vous, à votre écoute et pour vous former. Et c'est le cas partout en France avec 25 campus hein, au total. C'est ça. En métropole en tout cas. Merci beaucoup Cécile Bayot. Et je vous rappelle, le site internet du CESI, c'est tout simplement CESI.fr. Exactement. Merci beaucoup. Merci à vous.